Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain sur le Gold. Vendredi 2 octobre, dernière séance de la journée, de la semaine. Alors, comme je le signalais hier, la formation en non-croisement du MACD prend de la pertinence. J'ai depuis 3 ou 4 séances été très circonspect par rapport au fait que la médiane de la fourchette rose n'ait pas été percutée, pas plus que le niveau de 50% de retracement des Fibonacci. Je persiste, je ne suis pas sûr que l'on aille beaucoup plus haut tant que l'on n'est pas assuré ce retour, afin de pouvoir bâtir sur des fondations solides. Alors effectivement, le stochastique croit son signal, mais je reste très méfiant par rapport à l'évolution en cours, d'autant qu'il y a fort à parier pour que les autorités compétentes appuient très fort sur le gold pour éviter l'effet de valeur refuge dans le cas d'une plongée des indices. Tout ça pour dire que, mine de rien, la M7 croise la M20 et que je pense que l'on est parti pour consolider quelques séances. La M20 est sans tendance, les cours sont en dessous, donc il n'y a pas de dynamique haussière véritablement établie. Bien sûr, je n'envisage pas une correction marquée du gold, mais juste ce qu'il faut pour assouvir les pulsions des bears et permettre aux retardataires ours de rentrer sur le marché. C'est pour ça que demain, je ne ferai rien et que je me cramponnerai à l'idée d'un retour sur les supports susmentionnés. Voilà. Bonne soirée et bon trade. À demain.